Ouais, pardon. Justin a encore un petit peu fait caca dans ma boîte aux lettres, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce qu'il est gentil. Il nous dit joyeuse fête, regarde. Il est sympa. Donc, moi, j'ai pas les moyens d'imprimer ma tête sur des cartons pour le mettre chez les gens, donc je préfère lui faire une petite vidéo. Merci Justin, joyeux Noël. D'ailleurs, il est pas venu les mains vides, Justin. Il m'a amené un carton pour me dire que il fallait que je me fasse des piqûres. Donc c'est quand même sympa parce que moi j'avais complètement oublié. Complètement. Donc comme ça m'a fait plaisir, j'étais en train d'écouter l'album de Pharmaciste, hein, qui est l'album de l'année. Donc voilà, achète Pharmaciste. Et puis Justin il m'a dit il faut faire des piqûres. Mais il a pas dit faut pas boire un coup. Donc oula, non plus beaucoup. Joyeux Noël, bonne année, tout ça. Surtout à ceux qui ont voté, hein, on va en profiter de l'occasion pour dire un petit mot. C'était pas prévu, mais bon. Si t'as voté, pas forcément pour Justin, pour n'importe qui, c'est que t'as voté pour l'État. Donc joyeux Noël. Le truc économique, la crise, l'inflation, les prix qui dérapent, tout ça, bon ben, joyeux Noël, t'as voté pour ça. Parce que c'est l'État qui a tout fait avec ses petites mains, donc tu l'as bien cherché. Je sais pas, le meurtre du type là, l'inspecteur du fisc qui s'est fait tuer il y a quelques semaines par une de ses victimes. C'est triste, dramatique, mais tu l'as bien cherché, t'as voté pour ça. T'as voté pour provoquer ce genre de situation. Donc joyeux Noël, hein, bonne année. Tu veux même la guerre, les coupures de courant, tous ces trucs-là, tout ce qui est le travail de l'État, tu as voté pour qu'il le fasse, tu l'as bien cherché. Je vois pas pourquoi on boirait pas un coup à ça. Hein. Joyeux Noël, bonne année. Je préfère t'enculer.